Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Guild of Dungeoneering. Et on est parti la dernière fois, épisode très douloureux. On en a pris plein la bouche, on a perdu beaucoup de personnages. Mais ce n'est pas grave, car ils reviennent, toujours plus forts, toujours plus nombreux. Et on va directement repartir en exploration. Où nous allons prendre Malice qui va aller chercher de l'équipement gobelin prête pour un plus grand combat. Alors, cool. Des runes, on aime bien nous les runes de faveur. Hop, c'est un gobelin. Allez, c'est parti. Attention que le gobelin il a plus de PV que nous. Hein. Alors, à la Holly, directement. Il y a la sabre, on va faire ça. Voilà. Attention que là il nous fait beaucoup de dégâts, hein, le gobelin. Voilà, maintenant nous avons l'avantage en termes de dégâts. En termes de PV. Et ça c'est intéressant. Allez. Ah mince, j'aurais pu faire un zap. Un éclair. Ça m'aurait pu empêcher de prendre des dégâts. Qui aurait pu me faire gagner si... je pensais qu'il faut faire attention. Je comprends pas celui-là. Ah non, d'accord, toutes les attaques sont quick. Et si elles étaient déjà quick, elles font un dégât en plus. Mais c'est pété. Mais c'est pété. C'est très bien comme objet. C'est excellent. Un d'argent ou un d'argent. Bah, mettons un d'argent. À tout hasard, mettons un d'argent. Ok, en avant. Donc là, toutes mes attaques sont quick. Donc je taperai toujours avant l'ordinateur. Intéressant. Ah, on n'entend plus le coup du chat là, il fait plus miaou. Je croyais que toutes mes attaques étaient quick. Ah non, ah, le physical attacks, pardon, j'ai pas lu. Encore une fois, il a pas lu. D'accord. Ah, c'est pas mal comme loot, hein. Ça peut être vraiment bien, vraiment puissant, avec des personnages spécialement conçus pour taper. Hop là, on va mettre de l'or. Hein. Je dois aller là. Hein. Alors. Ah oui, et là elle fait deux attaques parce qu'elle était déjà. Elle était déjà quick. D'accord. Ça l'a fait, c'est ce qui fait que le personnage peut être très puissant avec ce... Enfin, il y a des persos qui peuvent être très puissants avec ces, cette machin. Focus. Un par round si on le brûle. Mais c'est pété. Prenons ça. Quel perso, quel j'adore le design du perso là, tu vois, avec une longue vue et une cuillère à glace. Je trouve ça génial. Alors, il va nous parier. Très bien. Bah non, on va continuer à faire ça. Hein. Allez, prends-toi 4 de dégâts. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Et donc là, je tape avant lui de toute façon. Donc meurs. une épée. Ah. Ah mais ça ouais.
cette classe, ce charisme. Tellement de charisme. Attention, il y a un ours là, niveau 2. Le niveau 3. Remettons un skeleton ici. Allez. On peut pas avoir plus de 4 traits apparemment. Il est brit. Attention. Non, on va taper derrière lui, comme ça il se soigne. Mais comme un imbécile. Voilà. Et voilà, il prend des dégâts tous les tours maintenant. Boum. Allez. Mange, boum, encore des dégâts. Mais ouais, et boum, je te tue. Tellement fort. Et tellement fort ce build. J'ai buildé un perso de malade. C'est une malade. Un peu pas là, mince. Alors, bah allons directement au combat. Hein. Combat final. Un beer hall. C'est là que savoir ce qu'ils vont faire dans le tour prochain peut être très fort avec sabotage en fait. Oui, mais là il va faire 2 de dégâts. Hein. Ah non, il faisait qu'un. Pourquoi il a pas fait 2? Je vais faire ça. C'est la prochaine que je vais piocher, ce sera Stro 4. Ah non. Mais je gagne. Voilà, meurs. Grâce au Ranged. Eh oui. Il vaut 3. Et ça, ça vaut combien? J'avais pas vu le bon helmet encore. Il est tellement classe. Oui, de l'aurore, de l'argent, mais oui. Pourquoi pas? Hurrah, hurrah, victory. 25. That was so quick you made it look easy. Another happy tale in our short story, if not a little bit violent, and not for the queasy. Est-ce qu'on prend le Breezer? Je ne sais pas trop, moi. Ou est-ce qu'on on regarde ça? Un câlin dans une bouteille. Ça a l'air d'être un truc de soin. Ça, ça a l'air d'être un truc de magie. Ça, ça a l'air d'être un truc pour les dégâts, non? Ah ben voilà, mais oui. Plus un first physical damage et une battle for the first two fights. Ok, donc on fera plus de dégâts pendant les deux premières batailles. Plus un loot choice slot pour les deux premiers combats. Plus 1 pour les deux premiers combats, ok. Ouais, c'est pas top top hein, pour le moment, celle-là. Si on regarde ça. Mage robe, ok. Wolf, ok. Hop. Bah écoutez, on va acheter ça. Voilà. Bien, tu vas te mettre juste ici. Le tailleur de cuir va être juste à côté du tailleur de bois. C'est parti. Allons explorer une nouvelle quête. Eh bien, nous allons entrer dans ce donjon. Ah, mince, il y a un orc. Je crois qu'on va se faire défoncer le cul. Ok. Alors, attendez. J'ai vu qu'il avait 11 PV, c'est ça? D'accord, et il est prédicti. Il est, on verra ce qu'il fait. Mais il a 11 PV, quoi. Dur. Dur la vie. On va se diriger par là. C'est parti.
Bah de toute façon, j'ai pas vraiment le choix, hein. J'ai que des dégâts, je peux pas me défendre. Ah ouais, c'était parce qu'il était Ranged qu'on n'avait pas ce son-là. Intéressant. Mais quel con. Je vais perdre contre un Nasty Wright, vous allez voir. C'est possible hein, de perdre contre cette créature. Des enfers. On va prendre ça. Ok. Il est pas content. Il est pas content. Il dit ça pas content. Bon, on va mettre un gobelin dans cette pièce. Allez, on y va. Allez. On n'a pas pris de dégâts. Allez. Ok, il lui reste plus que 2 PV, nous 4. Nous avons donc l'avantage. C'est bon, on a gagné. Quel talent. Cette malice. Tellement forte. Plus 100 en armure et plus 100 en PV. Et ça nous donne counter, mais oui. Oh mais. Mais cette classe. Ce personnage. Tellement de charisme. Toujours, nous on joue pour le charisme, hein, vous le savez. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'on peut se softlock. Je veux dire, si je mets que des... Ah bah non. Non, non, j'ai dit une connerie. Non, j'ai l'impression qu'on peut même pas se softlock. C'est vrai, on peut pas mettre de... De Endway ici, je crois. Parce qu'il y a une porte. Je crois qu'on peut même pas se softlock dans le jeu. Je crois qu'il est tellement bien fait le jeu qu'on peut même pas se softlock. Ouais. Taper. Yeah. Hop. Allez, moi je récupère de l'or hein, pendant ce temps-là, de l'argent c'est important. Bah ouais, tiens, hop. Petit counter. Il va peut-être pas faire 3 d'armure pour un dégât. On aurait peut-être plus de cartes d'armure contre l'or que moi. Je crois que je vais prendre ça. Pour l'orque. Ça me paraît une bonne idée. Je vais mettre ça là. Voilà. Allez. Le petit kobold. Bah oui, tant qu'à faire. Gagnons de la vie. Ouais. Tiens, prends-toi tes 3 de dégâts. Et meurs. Hyper fort, hein, cette petite longue vue, quand même. Non, 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 on va garder l'argent. On va prendre l'argent. Ça ferait quoi ça? Ouais, de stupidity quoi. Hop. Faudrait... là il faut que je gagne de l'or pour aller là en fait. Pour forcer le perso à aller là. C'est un peu dommage ça qu'on puisse pas vraiment choisir. Bon après... Ah si on peut en avoir plus que... Après, ce serait vraiment pété que vous puissiez choisir votre destination et en même temps placer les pièces.
Je dois dire que ce serait un peu pété. Ah oui, d'accord, donc vraiment celui qui l'a déjà décidé, il gagne pas le Fury. Intéressant, intéressant, intéressant. Donc le Fury, faut pas en avoir peur quand on tabasse le mec. Prends l'argent. Voilà, parce qu'il va aller là. Et nous, on veut pas avoir la stupidity. Donc on va aller là-bas. Et oui, parce que la stupidity, c'est pas bien. Par contre, il faut absolument que je prenne le loot de l'argent ici. Pour aller récupérer l'argent chez le boss. Ouais, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment, il faut vraiment qu'ils aient. C'est à partir de leur prochaine attaque, pas au moment où vous passez sous les 50 PV. C'est intéressant. Très très intéressant, je trouve. Ok. Garder l'argent. Est-ce qu'on est prêt à attaquer le chef des orques? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Peut-être que Malice va tomber. Hein. Est-ce qu'il a plein de PV? Alors, derrière, il va faire une stupidity. Mais nous, on va faire ça tout de suite. Mais oui. Ok. Il y avait une stupidity, donc c'est le moment de lui faire des dégâts. Ok, il va nous faire deux dégâts et parer une attaque. Et nous, on peut faire ça. Voilà. Ça récupère notre PV qu'on perd. Deux dégâts et il s'enlève un PV. Et nous, on va faire ça. Voilà, comme ça, il perd encore. Il lui reste plus que 5 PV. Attention, mais nous, ouf, attention. Attention, attention. Nous, on va faire ça. Pour se soigner de 1, quand même. Aïe, j'aurais peut-être dû faire bloc, en fait, là. Ouais, alors, on va faire bloc. Comme ça, on va quand même en bloquer 1. On prend que 2. Et derrière, on va faire ça. Voilà. Ok, fait de speed, on a gagné. Yes! J'ai même pas regardé ce qui se passait en haut. Hein. Et oui, deuxième grande victoire. Grâce à qui? Grâce à qui? Hein? À Malice. Yeah. Alors, Shoal Pass, très bien. Non Shoal Pass, d'accord. Ok. Malice has gained an advanced victory trait. Ok. Goblin Thief. Ok. Bah on peut expandre la guilde. Ah tiens, on peut voir que c'est deux là. Parce qu'on a acheté ceux-là. Ce serait un arbre. Non. Le Breezer? Oui, on va prendre le Breezer. Comme ça, vous allez pouvoir donner plein de noms pour des nouveaux persos. Et oui, c'est important. Not a gentle kind of dungeoneer, nor a poet or a muser, but one that fills the heart with fear. I give to you the Bruiser. Oui, le Bruiser. Alors, pour ceux qui auraient oublié, alors on a. L'apprenti qui est un magicien, celui qui veut être magicien, peut le demander. Nous avons le Grave Digger, donc le celui qui creuse les tombes. Voilà. Nous avons ici le Champ, qui est le guerrier de base. Le perso de base. Et derrière, nous avons le Bruiser, qui lui est un guerrier défensif. Plus il va défendre, plus il va taper. Voilà. Donc, vous pourrez donner des noms.
Oubliez pas, hein, on peut changer le sexe de la personne. Alors, si vous voulez être un homme ou une femme, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, partons directement. Oh, 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 oh oui. Alors. It's so hot, I could scream. You could scream. We all could scream. For ice cream. Apparemment, il y a les moines de la glace qui essayent d'emmerder le monde. Très bien. Eh bien, on va aller leur rendre leur monnaie de leur pièce. C'est ici. Alors. Défaite Skeleton, Flea, Dark Duel, Lovely Loot, Terrible Truth. Hop là. Malice, elle va faire 7 petits. Ce donjon du Fire Lord. Oui, j'entre dans ton hall. De quoi t'es imp? Mais on s'en fiche de tes imps. On doit juste tuer 3 monstres. Ça devrait le faire. Pas nous donner beaucoup d'argent, cette. Allez. On va aller de là. Recruised. Okay. Allez, on y va. Burn. Burn. Ah. Moins 1. Oh, d'accord. Il fait les deux types de dégâts. Très bien, mais tout va bien. Aïe. 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 Mais meurt. D'accord. Ah, ça va, ça s'annonce bien, cette... cette campagne. Ça sent le on va tous mourir. Alors, c'est le Fire Him qui fait le fire ou pas? Certainement. Faudrait que je combatte un non-Fire Imp pour voir si on burn tous tout le temps parce que c'est juste le level qui est comme ça ou si c'est... Ok. Allez hop, hein. On a gagné. On aurait gagné en tous les cas parce qu'il perdait quand même son PV. Mais... C'est pas parce qu'on est pyromaniaque. Hein. On a ça. Écoutez, un mage avec une hache, moi je trouve ça génial. Attendez, c'est pas parce que je suis pyromaniaque que je perds de la vie à tous les tours. On est d'accord. Hein. Ah si. D'accord, c'est le pyromaniaque qui fait ça. D'accord, c'est un train de merde. Non. On va prendre lui, hein. Ok, de toute façon, on a plus tué plus qu'un monstre et on a fini. Il y a des missions qui peuvent aller très très vite. Hein. Ok, on burn tous les deux. Autant faire du slice. Hein. Aïe. Ouais, non, là il faut qu'on soigne Malice quand même. Arrive un moment. Aïe. Ok, on a gagné. We've won! Parce qu'il va nous faire que 1 et que nous on va lui faire 2. Quel talent! Choose the loot quoi. Et voilà. I'm not sure if you understand. This used to be a peaceful land. Since your guild come along, everything has gone wrong. And I dread to know now what you've planned. Et là, on peut pas y aller. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Eh bien, on y retourne. Direct. Allez. On doit aller là, c'est ça?
Défaite The Rumbler de qui? Ça doit être lui. Les Rumbler de qui? Ok. Et donc on peut aller chercher les deux trésors là-bas. Intéressant. Silver coin et une spider, hein, parce qu'on l'a pas encore vu la spider, même si ça pue à mon avis. Ok. Elle va se régénérer. Ok. Ça tombe bien, nous aussi. On perd quand même par rapport à elle au niveau des dégâts. Ouais, on va faire ça. Ok, j'ai toujours mon throw cat. Donc elle est morte. Non, elle va pas mourir. Ah si! Tiens, voilà, meurs. Fire, l'armure. Moi je dis l'armure. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être bien pour nous dans cette mission. Il faut qu'on essaye d'aller là. Alors. Là, ça me paraît très bien. Allez. Quoi qu'il me faudra forcément un virage après. Ok. Attention, il va faire plus de dégâts maintenant. Là, il va mourir tout seul. Il s'est suicidé. On aime ça, les suicides. Oh. Oh. Fort, ça. L'argent. Toujours l'argent. Ah. Crotte. Là, je peux pas la mettre là. Après, je peux peut-être faire ça. Là, je peux pas la mettre. Ça, je peux la mettre là. On peut mettre l'argent là. Allons chercher l'argent. Alors. Là. Je peux pas mettre là. Ça, je peux pas mettre. Dommage. Allons chercher l'argent. Mettons un petit gnoll quand même. Faisons quand même quelques combats. Oui, je voudrais absolument aller chercher les gros loot. Je vais être embêtant avec ça. Voilà. Tiens. Suicide-toi. Hop. Et on voit que c'est la deuxième attaque qui m'enlèverait la carte. Hein. Donc attention. Voilà. Merci. Du boomerang, de l'armure. Ça, ça se met à la place du bouclier, intéressant. Bah, on va prendre ça. Hein. Tac, 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 tac. Pourquoi je pourrais pas mettre celle-là? Je ne sais pas. Hop. Oui, allons chercher l'argent. Allons chercher les gros loot. Ok. Alors attention, à mon avis, ça peut être dur là. Le bandit, à mon avis, ne doit pas être facile à jouer. Bon, pour le moment, ça va. Fate Cursed. Ah, je peux plus avoir de faveur. Merde. À cause du bâton, là. Pardon. J'ai cru comprendre qu'il allait m'en mettre plein la bouche. Allez, meurs. Ok. Bah oui. Oh, mais oui, tellement de PV.
Ouais, pourquoi pas. Oh non. Oh oh. Ah, j'aurais du mal à aller là apparemment. Ah bah voilà, on va voir. Ah c'est ça, voilà, comme il est dans un dans le coin, il meurt plus facilement. D'accord. Intéressant. Ah oui, bon là, on va le. On va le défoncer. Pauvre petit. Ouais, enfin je vais le défoncer si j'ai des gardes d'attaque quoi. Il y a plein de PV, ça c'est cool. Allez, meurs. On aime ça de avoir plein de PV. Plus on a de PV, moins on meurt. La spire. Ouais. Alors. Oh. Oh, c'est pas mal ça. Allez. On va prendre ça. Oui. Mais pourquoi je pourrais pas les placer des fois? C'est très bizarre. Je me serais softlock, vous croyez? Non. Oh oh. J'ai bien fait, on peut passer au softlock. Écoutez, pour le moment, on va continuer par là. Hein. Je pourrais pas là. Ah, parce qu'il y a un escalier, vous croyez? Vous croyez que c'est pour ça? Comme là, il y a un escalier, il faut forcément un escalier? Si c'est ça, on n'est pas dans la merde. Hein. Parce que ça floque du monde quoi. Ah là par contre, ah, on va aller chercher le ghost. Hop, hop. Alors, moi je vais aller chercher le fantôme là, parce que le fantôme il peut me donner des cartes. Voilà. Là non. Là, je vais mettre ça là pour le moment. Hop là. Et on va aller chercher de l'argent et de l'argent et de l'argent. Ok. Après attention, c'est pas dit que je gagne. Hein, okay. Donc c'est bien de ramasser de l'argent, mais. Peut-être mettre des petits fights quand même. Pour regagner de l'XP. Ah c'est pas du tout là que je voulais, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Le basilisque on l'a pas encore affronté. Ah là on va affronter un basilisque. Mon avis ça va puer hein. Ça a l'air fort. Ou ça le basilisque quoi. Bah taper hein. L'épisode est long, désolé. Désolé. Ouf. Vas-y. Aïe. Peut faire mal, hein. Bah écoute. Ah ah ah. Boum. Et voilà. Ok. J'aimerais bien une arme pour remplacer mon arme à moi. Ça serait bien. Encore un calès. Très bien. Hop là. Et là, après, je peux aller là. Très bien. Tira après, hein. Il faut aller par là avant. Il fallait tuer le fantôme. Oui, ça c'est bien. Allons tuer le fantôme. Voilà. Oh oh. Oui, on va plus trop jouer de cartes, hein, parce que de toute façon, il faut qu'on aille là-bas. Enfin, on va plus jouer de cartes, sauf les gardes de pognon. On va avoir tellement d'argent à la fin de cette mission. Alors, le ghost.
Il a 5 PV, 4 PV. Il va me drain. Ça, j'aime pas quand on me drain. Ok. Bah tiens. Ok, alors. Cannot die unless on one start of the turn. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, il faut forcément lui mettre un debuff pour le tuer. Ok. C'est pété. La crossbow, oui. On va prendre la crossbow comme ça, on pourra récupérer nos faveurs. Non, de l'argent. Hop là. Allez. Voilà, alors là on avance de 2 hein, parce qu'on connaît le chemin. On les a déjà explorés. Donc on avance plus vite quand on a déjà exploré une pièce. Merci pour l'argent. Hop, on va aller chercher l'argent. Ok, nous on est niveau 4 et le monstre lui il est niveau... il est niveau 3. Alors si je mets un bandit là, je vais pas vers le bandit, ça m'ennuie. Hop, va là-bas. Mettre de l'argent près du bandit. Ok. Comme quoi, hein? Comme quoi l'argent? Les femmes, l'argent. Comme quoi, hein? Tout est dit. Le jeu a raison. Par contre, j'ai perdu un PV là, non? Ah, le truc, il me donnait un PV le. Ah mince. Le bâton me donnait un PV. Bon, c'est pas très très grave. Ouf. Allez. Aïe. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On a gagné. Voilà. Est-ce que le burn? Est-ce que le burn? Ok. De l'argent. Des snowballs. Can't spend favor. Physical attacks are quick. Plus un dommage. War horn. Oulala, ça peut être pété ça. Je prends la blade. Voilà. Oh là là, mais j'ai tellement de trucs d'or là. Enfin, j'en ai jamais chopé, et puis là j'en chope plein pour cette mission. À croire que c'est fait exprès quoi. Allez. Le rubber Ducky. Ok. Il va nous faire 2 de dégâts. Bah nous ça tombe bien, on a des grosses défenses. Voilà. Alors il a pas de trait. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne sais pas. Mais moi je vais faire ça. Ah mince, mais non, je suis bête. Ça va pas marcher. Ah là 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 là. Je lis pas, je lis pas, je lis pas, je lis pas assez. Je lis pas assez ce qui se passe sur l'écran. C'est un tort. Il lui reste 4 PV, nous on... Ouf. Oh là 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 là. Normalement ça passe. Normalement ça passe. Voilà, c'est passé. Yes. On l'a tué. Ben plus gros bouclier. Et voilà, c'est la victoire. Who'd have thought the way you fought, you'd be so very brave. Now we need somebody else to fill this empty grave. Allez, on va aller chercher le mime également. Donc, vous aurez la possibilité d'être plein de types de persos. Anything that's more soul-destroying than having to rhyme all the time. There's only one thing perhaps more annoying, and that would be insufferable mime. Ok, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Je vous... Ben voilà. Hein, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.